Studio Minuit vous présente Un jour un mot. Taciturne. Aujourd'hui, notre mot du jour est taciturne. Il faut savoir que le son « si » s'écrit avec les lettres « c » et « i ». Taciturne est un adjectif qualificatif issu du latin « taciturnus » qui veut dire « silencieux ». On parle d'une personne ou d'une humeur taciturne. On peut le définir ainsi. Qui est d'humeur ou de nature à parler peu ou pas du tout. Par exemple, je ne sais pas ce que pense mon chef de mon travail. Il est assez taciturne. Autre exemple. Les lendemains de fête, je suis plutôt d'humeur taciturne. Il existe plusieurs synonymes du mot taciturne. En voici quelques-uns. Introverti. Muet. Renfermé. Secret, silencieux, ou encore taiseux. Pour dire le contraire de taciturne, on peut utiliser les mots bavard, extraverti, volubile, expansif, loquace et enfin démonstratif. Dans la culture pop, en 2011, le groupe de métal alternatif américain Stone Sour sort la chanson Taciturne sur l'album House of Golds and Bones. Comment dire le mot taciturne à l'étranger? Voici la traduction du mot en quatre langues. En anglais, taciturn. En allemand, einsilbig. En espagnol, taciturno. En italien, taciturno. Et enfin, chez nos ados, pour dire taciturne, on peut utiliser le mot scredi, qui vient du verlan discret. Par exemple, eh, le mec, il est trop scredi, je connais même pas le son de sa voix. Et voilà, c'est la fin de Un mot un jour. Et comme je suis très loin d'être taciturne, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain pour un nouveau mot.